c'est le premier festival d'art lyrique en Ile-de-France. Notre objectif, c'est de déployer des événements lyriques dans des lieux de proximité avec le soutien des municipalités et de faire venir des voix confirmées, même des grandes voix qui viennent de l'Opéra de Paris et surtout aussi des jeunes talents. Attends, c'est super. Quand ça devient grave, ouais. Texte. Le cœur voilà. Se creuse. Voilà, parce que à partir du moment, c'est pas la question de cacher les défauts. Ouais. C'est pas cette question-là. Ouais. C'est la question que le public, s'il entend moins certaines notes, il faut quand même qu'il comprenne ce que tu dis. Oui, oui, oui. Ouais. Tu vois, le cœur se creuse. Mmh. Si c'est dans le grave, tant pis. Mais on comprend, le cœur se creuse. Ouais. Donc la ville de Rueil-Malmaison a permis au festival de démarrer. Et aujourd'hui, nous avons le soutien de deux autres villes, Chatou et Saint-Germain-en-Laye. Et notre objectif, bien sûr, c'est de nous déployer dans d'autres villes en Ile-de-France, et pas uniquement à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. C'est réellement un événement que nous voulons, Ile-de-France. Alors, nous avons démarré avec des compositeurs connus de tous, tels que Mozart, Rossini, Verdi. Et cette année, nous avons surtout mis une dominante autour de Bach et de Bizet. La programmation artistique des envolées lyriques suit un objectif pédagogique et accessible à tous. Délectable. Oisonatus, per poisonem innocentem in sexo.